Bon, bah les gars, j'ai un scoop, le hammer fait énormément de dégâts. Tu, hein. tu, tu. Je lui ai mis un critique. Le mec, il est mort. Hey, salut tout le monde, c'est Arma, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Rust sur la dernière version. On est toujours en compagnie de notre ami Avat qui nous a rejoint sur cette version. Salut à toi. Ouais. Et d'un nouvel ami qui se nomme Akris et qui est belge, une fois. Yo, tout à fait. Donc voilà, on est reparti pour une nouvelle vidéo sur Rust. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous parle un peu comment bien débuter sur cette version. Et puis voilà, de toute façon, on va jouer un peu tous ensemble, tranquillou bilou, et c'est parti. Si vous voulez bien commencer sur Rust, ce qu'il vous faut, c'est de trouver un peu un endroit un peu safe, donc un peu à l'abri, plutôt près d'une forêt, voilà, dans un premier temps. Et si vous pouvez direct vous faire une petite hachette, donc celle que j'ai dans la main par exemple, ça coûte un peu de pierre et un peu de bois, c'est tout super facile à prendre. Et dès que vous avez l'hachette, essayez de trouver du sanglier pour vous faire le plus vite possible un sleeping bag, parce qu'on a tendance à mourir assez vite sur ce nouveau Rust. Donc plus vous avez votre sleeping bag vite et mieux ce sera. En parlant de ça, vous avez déjà réussi à avoir des dégâts de chute? Parce que j'ai déjà fait des grosses chutes et je me suis pas encore cassé la jambe. Si, moi j'en ai eu tout à l'heure. Moi j'ai eu des trucs rouges, j'en ai fait. Ah bah vas-y. Vas-y, viens là, petit cerf. Viens là. Je viens sans paix, bouge pas. Là, il y a un cochon ici. Ya. Genre tu peux le chasser. Ah, je l'ai défoncé. Le killer de biche. C'était un cerf, un cerf. Donc ouais, dans cette nouvelle version, on peut loot les mecs assez facilement. C'est un peu abusé quand même, mais... C'est ouais. Là, je suis en train de vous faire deux vestes en tissu, là. Et après, surtout, le pantalon le plus important, les gars. Ça me perturbe un peu voir vos trucs, là. Genre... Bon, le... Genre le truc quand tu te macropies qui pend, là, tu vois. Genre le truc que j'utilise pour jouer au golf. Donc là, les amis, on va se construire une petite maison sympatoche. Ah, oui. Vous prenez après votre plan et vous faites clic droit pour choisir ce que vous voulez mettre au sol. Swag de pool. C'est swag, man. Swag de pool. Chez ma black card, baby. Une fouet. Allez, tu vas arrêter de te foutre de ma gueule. Ouais. Aïe, 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 aïe. J'ai mis un coup de marteau de ma gueule. Je vais mourir. Non, mais non, critically. Non, genre, t'es pas sérieux. Bon, bah, t'as ton sleeping bag un peu plus haut. Putain, merde, j'aurais déjà tué deux potes aujourd'hui. Reste à côté. Regarde quand il court. Pour ma petite dernière fois. Allez où? Ah, le comic. Bon, bah, les gars, j'ai un scoop, le hammer fait énormément de dégâts. Je lui ai mis un critique. Le mec, il est mort. Comment il est tombé comme. Regarde la position, regarde, la bite en l'air. Position fétale. Ouais. C'est énorme. Ah bah du coup, ils ont changé là depuis sur la dernière mise à jour la façon de construire les murs. Avant ça se construisait tout d'un coup et là c'est progressif. Hammer. Ah je prends des dégâts. Bleeding. Genre. Critically. Quelqu'un te met des coups là? Quelqu'un te met des coups? Ouais, y'a un gars dans la maison. Y'a un gars qui m'a tué dans la maison, c'est qui? Oh mais you sérieux. You. Dans la maison. Viens, viens, viens. Kickboxing, vas-y, viens. Ouais, oh, c'est bon, je l'ai pété. Bah... Non, je l'ai pas pété. C'est moi qui t'as pété. Non, je suis mort et non, ne me dis pas qu'il nous a tous tués. Là, il m'a découvert avec un saignement. Mais je lui ai mis deux coups dans la gueule, normalement il va mourir d'aller à la chaîne, les gars. Là, il est en train, déjà il fuit déjà. Attends. Oh, il m'a eu. Ah, bah il m'a pété le coup, les gars. Bon, bah le mec il nous a tout pris quoi. Il nous a tout pris, tout pris. Il nous a défoncé, on a jamais réussi à le tuer. Par contre, je cours depuis tellement longtemps qu'il va falloir que je bouffe parce que j'ai plus beaucoup d'eau. Ouais, mais j'ai de la bouffe, t'inquiète. Nickel. Encore faut-il qu'elle soit prête, hein. Elle est prête. On va faire un restaurant à la maison, ça va être un restaurant. C'est ça quoi, tu vas pas me donner de la bouffe à varier, hein. Prendre sur toi. Hop. J'ai pas réussi à un stack de bois. Et pourquoi je peux pas crafter ma stone? Depuis tout à l'heure je cherche, moi. C'était lequel? Bon. Bon voilà, mais la maison a bien pris forme, là. C'est cool. Je vois ça. Vais-je y arriver? Tu sais, bah, quand tu inspectes quelqu'un, tout en haut, t'as les cases et t'as ton matos apparemment. Ah, mais c'est ce que j'ai sur moi. Ok, donc si maintenant je retire ton fut, je vois ta bite. Voilà, tout simplement. Ça, c'est intéressant. C'est ma bite. C'est ma bite. Ça, c'est ma bite.
Tu vois ça? Bah ça c'est ma bête. Bon bah voilà, là il faut faire au plus vite un furnace. Donc ça c'est peut-être le plus urgent maintenant. On est pas un putain de... Carburant faible qualité. Ah c'est bon, je peux en faire. Oh, un loup. Oh. Un deuxième. Oh. Le mec il revit. Non, non, non. Après ça demande de la pierre. Par contre, il a le cul un peu raide. Regarde là, ça fait en pierre. Regarde, j'en ai fait un en pierre. À quoi ça ressemble? Waouh, je souhaite un caillou. Yes, premier verrou en cours de construction. Nice. Nice beach. Et yes, la maison est finie. Enfin, elle est finie en gros, voilà quoi. Move, bitch, get out the way. J'ai balancé ma pioche par terre là dans un sac. Viens là, petite biche, n'aie pas peur. Et. Je viens en paix. Voilà, j'ai beau ma. Petit cul, cette biche. J'ai ma hachette magique là. Et là, scène du cul. Open door. Non. C'était un peu gore. A... Tu vois ce que c'est le rocher, le rocher du roi lion là? Ouais, ouais, l'espèce de falaise chelou. Ah, tu baisses, gars. Tu baisses, ça me va. Si tout le monde a ça, je pense que là, le farm peut te porter par exemple. Oui, il y a une maison dans les bois. Les loups, etc. Attends, est-ce qu'on a de la chance? Je suis en train de raider une maison. Alors, qu'est-ce qu'il y a de sur eux? Gaffe-toi. Il y a. Oh putain, il y a des balles et tout. J'ai même la clé de chez eux si vous voulez. Hop, et voilà notre première maison raid les enfants. En plus on va s'amuser à les défoncer parce que moi j'adore défoncer les gens. D'ailleurs toi je vais te taper dans le cul, j'espère que tu vas aimer ça mon gars. Bonne nuit, ciao. T'as trouvé un bolt? Non mais je suis en train de me craft. C'est la récompense d'avoir raid la maison. Bon ça. Et tu sais ni vu ni connu, je vais reconstruire le mur. J'ai reconstruit le mur que j'ai pété. Ouais. C'est Swaggy Man? Oh merde, je me suis cassé la gueule. Ça fait un peu des tuiles, on dirait. Mais les morts, je leur combi anti-rad. Vieux truc jaune dégueulasse avec du scotch en pleine caca. T'sais. Attention, le gars, il s'est roulé dans la terre. C'était quoi qui a pété comme ça là? C'était moi qui tire sur vous. Attends, attends, je suis sûr, on dirait un viking avec tout ton truc en fer. Allez. Wow. Non, mais il a abusé. Bah, je crois que j'ai plus de balles alors, je peux plus tirer. On dirait un train qui passe. Oh. Et voilà les amis, l'épisode est déjà fini avec les petits rimes. En tout cas, non, c'est bien les bisous et j'espère que ça vous aura plu. On va tout de suite visiter la maison qu'on a tout construit, on a quand même pas mal avancé. On est bien full stuff, vous pouvez voir un peu sur moi, tac, on a des trucs armés tout et tout. On a trouvé un bolt qu'on a perdu. Enfin, on a craft un bolt qu'on a perdu, on vous lance le passé, on sait pas où il est passé. Allez, la petite blague, bravo. Enfin bon, là, on a une maison qui est pas mal, qui est full level 6, donc tout en métal et tout. C'est bien, nickel. Là, dedans, c'est encore tout en pierre, parce que bah, on n'a pas eu trop de temps, puis on a joué que 5 heures, hein, quand même, d'affilée. On est au deuxième étage, voilà, tranquillou, et puis là, on arrive sur le balcon, vue sur la mer, avec une statue en forme d'abats. Et du coup, alors, la maison est pas mal, on a bien avancé. C'était une partie assez sympathique, mais en tout cas, on a pris du grand plaisir à la tourner. En attendant, avec Avats, on va jouer encore un peu. On vous y a très vite sur de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, le petit carré juste au-dessus, les vidéos qui sont juste en dessous, à mettre un petit commentaire dans la description si vous voulez, si ça vous plaît. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Thank you so much. Et bye.